Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. C'est un vendredi pas comme les autres, un vendredi saint pour les fidèles chrétiens qui commémorent ce jour la passion du Christ en suivant comme lui le chemin de croix jusqu'au moment de sa crucifixion. À travers les 14 stations, les fidèles chrétiens en Côte d'Ivoire comme ailleurs méditent les derniers instants de Jésus depuis son arrestation jusqu'à sa crucifixion sur la croix à Golgotha. Cette célébration marque l'accomplissement de la promesse de Dieu. Après la souffrance de Jésus, vient la Pâque qui marque sa résurrection. L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire renforce sa coopération avec d'autres institutions parlementaires africaines présentes au pays dans le cadre de la 14e conférence des présidents de parlement de la région Afrique de l'APF. Le président de l'Assemblée nationale du Gabon et la présidente de la Chambre des députés du Rwanda ont tous deux signé un mémorandum avec le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Adama Bitogo. Ces signatures vont donc marquer le rapprochement diplomatique entre les différentes institutions parlementaires. Rapporte Konaté Moussa et Zakaria Traoré. Le rapprochement entre l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et celle du Gabon entre dans sa phase active. Par la signature de ce document, les présidents des deux institutions parlementaires s'engagent pour une meilleure coopération interparlementaire. Notre valeur ajoutée à nous deux, très modestement, c'est de pouvoir formaliser les relations entre nos deux chambres parlementaires, formaliser les relations entre les représentants de la nation que nous sommes. Et c'est en cela que je me félicite de ce que cela ait reçu un écho très favorable, aussi bien chez vous que chez nous. Je voudrais donc que la signature de ce document soit un point de départ au fin de pouvoir donc matérialiser ce que nous pensons, mais surtout réaliser un rêve qui nous est cher, c'est que la relation bilatérale Côte d'Ivoire-Gabon devienne une relation des peuples, une relation des assemblées, le tout porté par nos deux présidents. Le président Adama Bitogo et Donatille Mukabalisa, la présidente de la Chambre des députés du Rwanda, ont aussi signé un mémorandum en vue de renforcer les relations bilatérales entre les deux assemblées nationales. Le ministère de la Construction et du Logement et de l'Urbanisme vient de lancer la 3e édition de ses journées portes ouvertes et de sa caravane à Jacquesville, opération baptisée Opération Tiroir Vide. Et cette activité vise à décentraliser les services du ministère auprès des populations afin qu'elles soient mieux informées sur les procédures, le fonctionnement et la réforme en matière de construction, d'habitat et d'urbanisme. Il s'agit notamment des questions liées au permis de construire, le contrat de bail ou encore les arrêtés de construction définitive ACD. On en reparle ce soir à 20h. Le Rwanda commémore ce 7 avril le début du génocide des Tutsis. Cela fait 29 ans que ce drame est survenu. 3 mois de tuerie qui ont fait au moins 800 000 morts selon les chiffres de l'ONU. En mémoire donc des disparus, une cérémonie est organisée chaque année à Kigali, la capitale. Le président rwandais Paul Kagame a allumé la flamme du souvenir et rendu hommage aux victimes du génocide. Il a déclaré à cette occasion qu'on peut pardonner, mais on ne peut pas oublier. Les commémorations se poursuivront partout dans le pays pendant les 100 jours de recueillement jusqu'au 3 juin prochain. Mission accomplie pour les députés et sénateurs gabonais réunis en congrès. Ils ont adopté à une écrasante majorité la nouvelle constitution révisée. Le mandat du président de la République a été réduit de 7 à 5 ans, celui des sénateurs de 6 à 5 ans. Et le deuxième tour de la présidentielle a été supprimé. Cette révision a été validée en février dernier lors des concertations politiques entre le pouvoir et une partie de l'opposition. Le Parlement est donc allé très vite, car la réforme doit s'appliquer aux élections générales de 2023. On n'attend plus que la promulgation par le président Ali Bongo.
et la Russie qui menace de suspendre l'accord d'exportation des céréales ukrainiennes depuis la Turquie, où il est en visite. Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères russe, a menacé indirectement de ne pas renouveler l'accord à l'issue des 60 jours. Moscou se plaint du maintien d'obstacles à ses propres exportations de produits agricoles et d'engrais. Même si ces produits ne sont pas soumis aux sanctions occidentales, ces dernières réduisent l'accès des expéditeurs russes au financement, aux assurances et aux ports. On va se retrouver à 20h pour la grande édition juste après ce Flash Info. Je vous invite à suivre l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos très belles régions. C'est ici en Côte d'Ivoire. À tout à l'heure.